L'hôtel Gouin est un hôtel particulier qui a été construit au 15e siècle et la rénovation, les fresques Renaissance datent du 16e siècle. Pourquoi il s'appelle l'hôtel Gouin? C'est qu'il a appartenu pendant plus de siècles à la famille Gouin, qui était une riche famille de banquiers et d'industriels tourangeaux. Aujourd'hui, il appartient au conseil départemental d'Indre-et-Loire. La façade de l'hôtel Gouin a été restaurée pendant quelques années, d'où la fermeture de l'hôtel Gouin entre 2009 et 2013. Et aujourd'hui, l'hôtel Gouin a pour vocation d'être un vrai pôle culturel, un pôle pluridisciplinaire où se mélangent les arts et les cultures, les arts locaux, mais les arts aussi nationaux et internationaux, avec des expositions, du théâtre, avec de la danse, avec des lectures, que ce soit vraiment un lieu protéiforme et que les tourangeaux puissent s'approprier. Bon Francis, bah c'est pas mal cette idée de transformer l'hôtel Gouin en espace d'exposition. C'est un super bel endroit, il faut vraiment venir, il y a des belles choses à découvrir. Bref, faut y aller. Faut y aller.